Vous allez voir que le gameplay est assez simple, hein. C'est vraiment genre le. C'est très simple. Le jeu a été fait par un studio espagnol. Yes! C'est parti. Sur quelle vidéo? Sur tous mes let's play, gros. Vous allez voir la DA et. Bon, le jeu commence comme ça. Tout à fait, Rob. Alors ça, c'est le truc qui est intègre genre au jeu, c'est tu peux avancer ou reculer le temps en fait. Tout va se jouer sur ça, sur le jeu. Donc soit tu avances, soit tu recules le temps. Oui, bien sûr, Slim. Oui, bien sûr. C'était un délire, hein, avec Jack Black, non, il me semble, Slim. C'est gentil, Tomor, non, t'inquiète, je vais essayer de me débrouiller, mon frérot. Merci infiniment. Donc sachez que ce jeu est sorti aujourd'hui aussi sur l'Epic Game Store. Il est disponible aussi sur console, sur PlayStation 4 et Xbox. Et je crois qu'il fait partie du Xbox Game Pass, si je dis pas de bêtises. Vous allez voir que... C'est assez prenant en vrai. C'est très addictif. Premier fail. Thank you.
C'est vrai que moi, il est. Les perspectives, des fois. Premier plan, second plan. Dangdar, ça bloque mon frérot. Exactement, frérot, exactement. Ça ressemble un peu à Abzu et tout. Giz, ça va quoi. En soi, c'est une sorte de. Comme une sorte de poésie, tu vois. J'ai l'impression que c'est un vieil homme qui se ressasse un petit peu, genre tout son passé avant de mourir, ou tu vois. De ouf en fait. C'est un jeu qui vient sortir aujourd'hui. C'est un jeu indépendant que je vous parle depuis un petit moment. Arise, une simple story. Ok, grâce à ça, tu peux débloquer des souvenirs. Oula, on va éviter de se noyer. En vrai, même si le gameplay est assez simple, etc., etc., genre, je trouve ça très, 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 très stylé. Simple, efficace, tu vois. Non, pas du tout, quoi. Non, non, non. Ça va très, très bien, Guise. Merci infiniment, quoi. Faudrait qu'on y retourne un petit peu aussi sur Borderlands. J'ai pas eu le temps. Ouais, c'est très beau. Ouais. Les bruits de pas, c'est un peu fort parce que le son du jeu est très très fort, frérot. Je peux rien régler d'autre. Record d'une vidéo, d'ailleurs j'ai failli la sortir en avance, Guise. Franchement, t'attends pas à quelque chose de fou, frérot. Hein. Je te le dis, hein, tout en été. Bisous, prends soin de toi, quoi. Merci d'être passé, Zanga. J'ai eu peur. Ah oui, 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 bien sûr. Après, le jeu est pas très très cher, hein, si j'ai pas de bêtises. Hein. Mais il est pas foufou. Hein. Après, encore une fois, ça reste mon avis personnel. Hein. Peut-être que toi, tu as vraiment beaucoup aimé. Hein. Très pauvre comme gameplay. Hein. Darksiders Genesis.
On se demande qui est ce petit garçon. C'est vrai, Zangdar? Putain, gros, tu as fait vite. J'ai rien de dessin animé ou quoi? Bisous Kairi, bisous mon frérot. Mais je vous l'ai dit, 70% du jeu, c'est la musique, en gros. Le gameplay est cool, tu vois. Mais ouais, la musique, l'histoire et tout... Ben là on est sur la partie joueur en fait. Au début quand t'as commencé on était sur la partie L. Ouais, il va y avoir des moments je pense un peu plus joyeux que d'autres. Mais plus on va s'approcher de la fin du jeu, je pense plus ça va être sale. Ça vaut quoi Blanche, bien. Moi aussi, je vais m'endormir d'ailleurs.
Ouais, du coup, il y a des petits moments un petit peu plus tristes. Bonsoir, Ananas. Ça va ou quoi? Bonne nuit, prends soin de toi, Guiz. Les animations me font tard, faire rire. Alors, c'est peut-être pas toi. Tu es trop grand pour pouvoir. Ok. La liaison. Non! Oh quoi. Yes. C'est parti. Ah, c'est tout. Beau là, hein. Cette phase là du jeu, elle est très très belle. La musique, oh là. Il y a toujours un intérêt à faire un truc dans le jeu, tu sais. Si tu vas là, c'est parce que à un moment. Oui. Quoi servent ces petites bulles d'eau là? C'est un achievement en fait, genre c'est un collectible le truc là des souvenirs. Il galère, hein, papy. C'est vrai, Blanche? Mmh.
faut qu'on enchaîne. Marche arrière. Non, non. Meurtrière. T'attendais que ça, hein, qu'il y ait un suicide. Bande de cookies. Espèce de meurtrier. Parce qu'il n'a rien demandé le papy gros, il a fait un saut de 300 mètres. Pro player le retour. Les mots MLG soon. Et à quel moment je te chevauche? Ah. Elle butine. Mais pas. Mais pauvre pas. Je le sens mal les gars. Je pense qu'il faut faire ce que je... Yes. Oh putain, ça sent la mort. Ça pour m'amener ici, mais c'est pas juste, tu aurais pu m'amener tout au fond. Oh putain, il a sauté. Non, c'était le décor. Non, il a pas osé. Il maltraite les personnes âgées en live. J'ai vu à la fin que c'était l'arrière-plan, mais gros, c'est tellement bien fait, je pensais que c'était vraiment le jeu, tu vois. Quelle dinguerie. Il a tenté le coup. C'est tout. Putain. Ouf. Oh, what? Comment? J'ai fait le même saut, quoi. Tu serais pas en train de te fichtre de ma gueule, papy? Hein? Genre la petite animation. La débandade. Mais il veut plus sauter, papy en a marre. Ça lui casse les couilles de sauter partout, papy là. Pas mal de morts. Il faudrait faire un compteur de morts, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Saute.
chute de trop. Je me régale ce petit jeu là. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est? On dirait une toile, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je le sens mal! C'est vraiment une toile! Oh, le petit bruit! On compte les soldes. De quoi, quoi? De quoi? Phoenix, je connais pas. Oh lol! Non! Si? Non! Si? Oh, il y en a beaucoup en bas! On est sur Dark quoi? Dark quoi? Je connais pas. À la une, à la deux, à la trois. Il se régale le papier. En vrai les gars, je voulais pas dire, mais on incarne le Père Noël. J'espère que vous avez été sages. Si c'est pas le cas les gars, je le fais canner, hein. Pas de cadeau cette année, hein. Non, faut pas faire ça. Ah, quel homme. Sérieux là, on va s'amuser avec l'étoile d'araignée. Vous savez qu'il est prévu dans le programme de descente Dark Souls. J'ai déjà peur les gars. Rien que d'y penser. Hein. Le cerveau est à moi. Salut! Man. Vous êtes pas sensible à l'art aussi. S'endormi. Ah ouais, tu m'étonnes, gros, c'est trop éprouvant tout ça. Oh mon dieu, j'ai les guiboles qui tremblent. Loin. Là, c'est la moins rigolo ici, hein.
franchement, je pense que c'est sa vie en fait, hein, qu'on est en train de revivre. On l'a vu enfant, avec une femme, jouant avec elle, vieillissant avec elle. Ça me rappelle un petit peu le film là-haut, où on voit... On voit le vieil homme connaître sa femme, vieillir avec, mourir avec. Ah vas-y, j'appuie sur la touche, là, c'est pas du jeu. Ah, faut maintenir RT. Oui, c'est une nouvelle notion en fait sur le jeu de gameplay, ok. Stylé, stylé, stylé. Je vois qu'il y a des souvenirs et tout, ouais, mais... J'aime pas les souvenirs, les gars. Tu y attaches plus, putain. Je suis vraiment content en tout cas. Vous savez qu'il était prévu pour samedi, hein, celui-ci de jeu normalement. Je sais pas, j'étais chaud de le découvrir avec vous en fait. Ça fait tellement longtemps que je l'ai là. Les deux jeux, en vrai, Phoenix Point et celui-là, ça fait tellement longtemps que je voulais faire. Quand t'as des jeux comme ça, genre qui sortent, t'as tellement envie. Après, des fois, j'ai des jeux deux semaines avant qu'ils sortent, une semaine avant qu'ils sortent. Le pire, c'est Darksiders, ça, je crois. Darksiders depuis le 25, il me semble que je lis le jeu. Depuis le 25. Je vais languisser de vous faire un truc dessus. Et comme je vous l'ai dit, honnêtement, c'est pas fou, 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 fou. Je crois que je peux faire ça. Non. Sans déconner, gros. Mais le truc c'est quoi, quand t'as le jeu, t'as envie d'y jouer direct, tu vois. Surtout quand c'est des jeux que t'attends depuis un moment. Là du coup, à l'occurrence, celui-ci, ouais, c'était vraiment un jeu que j'attendais beaucoup. Ah mais des fois t'as pas le choix, frérot, tu te prives. Après, je me suis fait une petite session, hein, j'ai joué 10-15 minutes, histoire de... d'assouvir un petit peu genre cette soif, tu vois, de d'y jouer de suite. Ça vaut quoi que ça là. Ça m'a fait exactement la même pour Phantom, quoi, pour Phoenix Point, pardon. Dès que j'ai le jeu, tu joues genre... en vrai, je vais pas te mentir, hein, quand tu joues, quand t'attends un jeu, par exemple, ça peut me faire la même pour Cyberpunk ou quoi. Dès que t'attends un jeu, tellement longtemps, ou un jeu que tu te languis, tu vois, de tester, t'as le jeu même un petit peu en avance, putain, la musique, elle est belle. Tu joues un petit peu, tu vois, même une demi-heure, ça te calme, et après tu dis vas-y c'est bon j'attends. Et c'est con à dire, mais quand t'as le jeu... Quand t'as le jeu c'est pas pareil que quand... tu vois, je te dis, je suis dans l'attente là, à tout moment si je me suis... J'aurais pu le lancer ou... Et pas chaud, on se fait un truc cette semaine sur Sartre Citizen, Zonier. T'es couille. Les couilles, tu me prends, tu m'apprends le jeu, tu m'apprends Star Citizen. Y'a pas cap. C'est vrai, Xala? J'espère que tu vas bien, en tout cas, mon frérot.
Ça va être compliqué, les gars, là. Oh, oh, stylé, ça, cette petite partie, là. C'est bizarre, il est parti, Zony, depuis qu'on a parlé Star Citizen. Merde, je me suis brain. Re la pépite. Oh. Demain à 10h30, je suis en décor le gros. Tu nous amènes manger où demain? Avec un enfant d'un an et demi, en bas âge. On est pique-nique ou quoi? Ah, t'es de retour, Zony. C'est étrange. On parlait de Star Citizen. Trop bien ça, hein. Je kiffe. Qui a déclenché cette réaction. C'est absolument pas avec des enfants. Welcome to in my world. Et ouais, avec des enfants, tu vas voir, c'est compliqué, frérot. Wow, 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 wow. Oh, oh, oh. Eh putain, gros, t'as raté le caillou. J'arrive pas, les gars, je... Du coup, McDo, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les bails, ça va être quoi? Oh putain de merde! Ça va être tendu cette scène là. Yusso! J'ai l'impression qu'il part très très loin. Ah, ma fille, elle serait aux anges de manger McDo. Mais mon vieil, en gros, ça me saoule! Il a tel 4 un jeu. Hein. Est-ce qu'il arrive pas à monter sur un caillou? J'ai vraiment du mal, hein. Bon, on va aller comme ça, non? Je sais pas ce qu'il y a derrière. Attends, c'est pas par derrière qu'il faut aller, mais... Toujours par derrière qu'il faut aller. Doucement, doucement. Doucement. What the fuck, gros? Wow, wow, wow. Non, non, on va pas aller au McDo, mon frère, on va pas aller au McDo. Hein. Je sais pas, on verra là-bas. J'ai un petit d'un an et demi, moi je le fais pas manger au McDo. Hein. Ouais, je sais pas, je sais pas. Ça va être compliqué. Hein. Il rétorque avec le KFC. Burger King, je savais que t'allais dire ça. Je sais pas, mon roi, je sais pas. Je vais voir avec ma femme demain matin. On va voir, on va voir.
ADV ça vaut quoi? Attaquer un peu. Ah parce qu'il continue. Grave stylé ça gros, je kiffe tellement. En vrai... Ouais les techniques, hein. Ah ouais de ouf. Là on est sur cette partie ouais. Ouais non mais je vais justement demain je vais plus vers Toulon et tout en fait. Oh. C'est gentil, merci ADV. Ouais ça s'intensifie de ouf là en vrai. Le problème c'est que je sais pas vers quelle direction il faut aller. On se laisse guider les gars. Non. Tout est compliqué avec un enfant. On verra, ma pépite, t'inquiète, on va pas se... De toute façon, comme je te l'ai dit, tant qu'on est ensemble, qu'on se balade, qu'on rigole et tout, frère, le reste, je m'en bats les couilles. Mais non, mais non, mais non! Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé à Buffalo. Mais mon fils tiendra jamais en place. C'est impossible. On t'expliquait, mon fils c'est comme si tu mélangeais, tu vois les piles là, du Duracell. C'est comme si t'en mettais genre, allez, comme si tu mettais toute l'usine dans un corps, tu vois. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Même quand il dort, il bouge, mon fils, hein, gros. Ah ouais. D'ailleurs, si tu le verrais dormir, tu rigolerais. Après, peut-être que Albé pourra le calmer. Je sais pas s'il le prend dans les bras ou quoi. Peut-être qu'il va réussir à l'apaiser. Enfin! Trouverai-je une personne qui saura apaiser mon enfant? Albedo est la solution, peut-être. Qui sait? Censé descendre avec le caillou là. Ascenseur express. C'est trop. Ah, ça peut être pas mal ça gros. Waouh, Albi, mais quel homme, veux-tu m'épouser? Ouais, c'est vrai que demain il a l'air de pas trop faire beau. On verra, ouais, comme tu as dit mon frérot, on verra, tranquille. Ouais, au pire, on se prendrait un truc à manger vite fait, et on mangera chez toi en 2-2, et après on sortira tranquille. Il fait moche comme tous les jours, en ce moment, en Marseille, c'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué, des inondations et tout. La dernière fois, j'étais chez mes beaux-parents, mais ce week-end, gros, j'ai failli pas rentrer avec les inondations et tout dans le Var. C'est un peu chaud, ouais. C'était un peu chaud, ouais. Comme ça, tu vois mon nouvel appartement, oh là là, quel homme. Vous avez vu en plus, il m'amène dans son appart. Il veut me faire des trucs, il veut me coincer lui. Hein. Vous le dis.
Si vous avez plus de nouvelles demain, sachez que je suis dans le nouvel appart de Albé. Ce coquin m'a serré, gros. Je suis toujours à la MV. Ma série, moi je vais à la Réunion ce Noël. À la Réunion? Quel homme. Ah, attends, je peux. Non. Ça va, il fait beau, je trouve. Dans quel monde vis-tu? Non, c'est vrai qu'à Marseille, là, ça va. C'est parce que dans le Var, honnêtement, c'est un monde complètement différent. Je te jure, c'est pas très très loin pourtant, mais... Tu sais, à Marseille, même, il y a des endroits dans le 15e, il neige, et ici, il fait soleil. Donc, tu veux que je te dise quoi aussi, au bout d'un moment? C'est la destruction. La destruction. Comment ça, tu m'envoies le... Mais tu es fou, quoi, gros. Mais 8000 réveils, je te le dis. Demain, à 10h30, on part de chez nous. Héros, je vais... On veut pas que ce soit moi qui te réveille avec les enfants. Réveille-toi avant. Tu sais pas ce que c'est. En minimum 10 cafés. Je lui fais peur de ouf, hein, genre. Va s'affoler dès qu'il va voir mon fils qui va pas bouger, il va faire. Oh mais. Mais. Il est brave cet enfant en fait. J'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il faut que je trouve le bordel, là. Non, mon fils, il est tarpin sage, frérot. Il n'y a que avec nous qui nous fait TB, bien évidemment. Tu sais, les enfants, ils font exprès de te faire du sale qu'à toi. Pour que après, genre, devant les gens, tu passes pour un gros mytho. Tu comprends? Combien de fois j'ai laissé à ma mère, je lui dis, mais man, il m'a fait la misère, il a pas dormi depuis 4 jours et tout. Il arrive chez ma mère, il dit, ouais, il a dormi tranquille, hein, il a pas bougé, genre tranquille, le minot. Hein. Toi, t'es là, tu passes pas avec quoi? Ah bon? C'est ce qu'il me faisait mon fils au début. Hein. Bon, si je veux le voir, ton petit démon. Franchement, ce serait avec plaisir. Hein. Mais si tu le vois, tu vas tomber amoureuse. Et après, Jungwoo, il va me faire des histoires, tu vois, je peux pas. Aujourd'hui, je suis allé chez le dentiste. Je me suis pété une dent. Ma foi. Et bien évidemment, quand ma femme est l'assistante dentaire, du coup, je suis allé dans son cabinet. Et toutes les gadgets étaient là. Genre limite, elle me disait même pas bonjour. Ah, oh, ton fils. So cute. Bonjour, hein, bonjour, bonjour. Quand tu as des enfants, ils te calculent même pas, je te jure. Dur, dur d'être papa. Je te jure, je chiale. Non, franchement, c'est tellement beau, quoi. T'es malade quoi, pour rien au monde. J'en parlais tout à l'heure à ma femme en plus. J'imagine qu'ils seraient pas là les enfants. Je serais triste de fou frère, ça a changé ma vie. Mais tape des barres tous les jours, pépite. Tous les jours. C'est incroyable. Donc là, on comprend l'exil du coup. De toute une civilisation, d'un peuple. Parti après avoir subi ce genre de... Une sorte de tremblement de terre ou... Mais je le sais, Arulu, je le sais. J'ai bien compris que c'était pas moi que tu voulais voir. Le problème, c'est que le minot a un an et demi. Et il sait pas comment ça fonctionne encore, tu vois. Il va falloir qu'une personne adulte, voilà, un papa instable l'accompagne.
C'est quand vous venez me voir. Et là, l'hiver, c'est compliqué à la sister. Ah. Iseo. Angel, ça va ou quoi? Et franchement, c'est vraiment avec plaisir en plus, hein, je rigole pas. Hein. Non, il faut jouer avec ça par contre. Non, j'ai pas envie. Oui. Tu vas dodo, mon frérot? Gros bisous. À demain matin. À demain, frérot. Sam, il va aller chasser des Pokémon jusqu'à 6h du matin, donc ok, je crois que je le connais pas. Oh, par contre, alors Mew, il est comment, Ronjo? Hmm? Il est comment, Mew? Je vais vous expliquer. On comprend mieux le loin en fait, la séparation entre l'homme et la femme. Jure de ouf. En fait, je vous explique ce qui s'est passé, c'est qu'on a une conversation Pokémon du coup, où on a incrusté un peu des gens, on a incrusté un peu des, du monde qui joue à Pokémon, donc Kandar, Lulu, Zangdar, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et à 2h du mat, la dernière fois, on reçoit un message de Zangdar. Une personne passe des Mew, connectez-vous à ça et faites des échanges. Nous, direct, on arrive, frère, on prend la Switch, bim, on essaye d'avoir le Mew. En vain, je tombe que sur des mecs qui lâchaient des Pokémon de mort. Et Alulu, elle arrive dans la con, elle fait, hop, je l'ai eu, bonne nuit. Je t'ai maudit. C'est le seul Pokémon que je voulais. En plus, celui-là, tu peux l'avoir qu'avec une Pokéball, je sais pas quoi. J'étais là en mode. Je faisais des incantations et tout. Je voulais t'envoûter. Ça n'a pas marché. Je sais, l'assista, je sais. Je suis en train de faire tout le jeu là en vrai. C'est ça exactement, Xalar. Et c'est beau, hein. Alone in the dark. En plus, en plus. Putain, les jeux de le. Oh. Je kiffe tellement là. Je sais que Zangdar l'a eu. Ah, on s'aime l'emboucaneur. T'es arrivé 5 minutes, t'as vu que tu l'as pas eu, t'as dit allez, ça va te gonfler. En vrai, je l'ai tryhard pendant bien 10-15 minutes.
What the fuck? Ça m'avait tellement saoulé, je te jure. J'étais là en mode, moi aussi, je veux Pikachu, je veux Mew. Premier plan avec les gouttes sur l'arbre et tout là. Ouais, l'ambiance elle a changé de fou. Hein. On en parle de ce plan là? Hier, on a regardé le premier Seigneur des Anneaux, du coup. On est retombé sur la scène. Vous ne passerez pas. De Gandalf, ça m'a tué. Vous le fuyez, pauvre fou. Tellement fort. Tellement insane, cette scène, quoi. Ouais, c'est tellement stylé. Qui se transforme de. En Gandalf le gris. En Gandalf le blanc. Merde, j'ai spoil. C'est vrai, loulou? Ah, vas-y, arrête, tu me dégoûtes encore plus. Oh, oh putain. Mais je te jure, j'étais salé de ouf, hein. J'étais là en mode, putain, je peux pas avoir mieux, moi. Sans merde, ce jeu. Ouh. Non, non, il y est pas, je crois, Mewtwo sur le jeu. Je crois pas qu'il y soit, Mewtwo, non, sur Pokémon. Après le truc c'est que moi les collègues, t'es fou, ils sont trop loin là, c'est dans le turfu là. Ils ont 8000 shiny, je sais pas quoi. Frérot, j'arrive même pas à avoir un Pokémon nickel moi, tu vois. Non, pas du tout, je m'en bats les couilles. C'était sur le coup. Yeah. Ah peut-être. Monte, 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 monte. Non, c'était sur le coup, j'étais à l'affût, tu vois. Non, 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 je m'en fous, je jouerai jamais avec. Hein. Mais franchement, ce serait bien qu'on se fasse des raids, hein, parce que Zantar, il me branche souvent pour faire des raids. Il y a Dodo, un collègue que je vois demain d'ailleurs, chez Albé. Lui aussi, il a pris la Switch avec Pokémon. Ça fait flipper sa race, ce truc là. Non. Oh putain. Un certain Stylock apparaît. Ça va, mon frérot? Biba bobe. Biba bobe. Biba bobe. Biba papa la. C'est ça que tu voulais chanter? J'ai pas compris.
Comment tu vas, quoi? Rémi, quel... Rémi, c'est un nouvel homme, les gars. Et bon, vous voyez pas qu'il s'enchit, Rémi, là? Il a changé de taf, monsieur. Bibaba là-bas. Ils vont mettre tous les Pokémon qui existent normalement en DLC. À la fin du jeu, quoi, à la fin, quand ils auront sorti tout leur DLC, il y aura plus de 1200, je crois, de Pokémon. Là, actuellement, il y en a 400, frérot. Comment il va, Rémi? C'est bon ou quoi? Ah, Rémi est déjà reparti. Allez, salut! Où vais-je? Mais sur le cul, gros. T'as un bouchon coin. Tu racontes quoi de beau? Qu'est-ce que tu fais là à minuit en fait? Tu travailles pas demain matin? C'est quoi tes horaires là? T'es off demain? T'as deux jours ou... T'as quel jour? D'accord, ok. Les lumières sont aussi insane. Un jus gros. Allô, Mayday, 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 Mayday. Ouais, les timings sont assez chauds en fait, faut jouer sur un petit laps de temps en fait et tu refermes la fenêtre en restant appuyé sur le timing, le merde, sur le temps, le timing est serré sur le temps. Ouais, les retrouvailles. C'est tout.
Mais non, frérot, genre pas de baiser, pas de... Putain, j'ai toujours envie de continuer en fait. Ça saoule, hein. Je vais jouer une demi-heure au jeu et partir, tu vois, j'ai envie de continuer. Pourquoi tu écris baiser en majuscule? Pas de caresse. La romance, on y est. Saute, 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 papy! Ouais, c'est super beau. Hein. Oh les gars, je suis plus. Je suis en train de m'appliquer là. Vas-y, tu peux. Ah, je vais tout gerber là. Arrête, arrête, tu m'emboucanes là. On a dit qu'on criait pas sur les personnes âgées. Oh.
La 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 la. Bon, celui-là, j'avoue, franchement, il était loin de ouf. Genre, j'ai abusé de fou, frère, là. Oh, 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 oh. On va y arriver, on va y arriver. Yes, oh. Ah, les petits poissons rouges là dans l'eau, j'ai même pas fait attention. En vrai, les Espagnols, ils sont tarpins forts pour faire ce genre de jeu. On se rappelle l'année dernière avec Gris, qui était incroyable. Vas-y! Vas-y, papy! Tu peux le faire? Vas-y, papy. Ah, tu peux pas le faire, papy. Putain, gros, c'est chaud là-haut. Yes! Je sais pas, en tout cas, ils ont une patte graphique et une façon de raconter les histoires qui sont assez poétiques et très très belles. Oh, 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 toi, toi! Bah, bah! Ben alors? J'ai rien compris, gros! What the fuck? Ah, ils ont le goût pour la weed aussi, frère. Je pense que c'est l'orange bud ou... Pas mal d'orange bud. Yeah. Attention, attention, c'est reparti. C'est reparti. Là, je m'étais envolé vers d'autres horizons, là. Mais on est où là les gars? Le jeu nous fait quoi là? Je dis pas qu'il faut faire ça. Tu te moques de mon gueule là ou quoi? C'est tellement beau, gros. Mais non, tu peux pas me refaire faire tout ça, frère. J'ai sué pour faire ça déjà. Fuck. Fuck.
Bonsoir. Ok, ok, on s'arrête là, ok. On arrête les conneries. À mon tour. Fils de pute. T'as fait quoi, mon tour? Est-ce que tu la sens, la mort? Tu la sens, la mort. Allons-y, enfants, allons-y. Je vous. Oh, visuellement, c'est un truc de fou. Oh, regarde comme c'est beau là ce qui est en train d'arriver. Quelle drogue, cette merde. Des pétales. Ouh, c'était chaud. Pardon. Je sais pas ce qui frôle plus la fleur du middle. Hey 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 hey! Tu cours! Je sais pas si je l'atteins là comme ça. Il a fait du surplace. C'est compliqué. Ah mais qui pour le goulash. Wow, wow. Putain c'est chaud gros, je fais de n'importe. Le temps et tout frérot, tellement genre je suis pas serein. Je m'amuse tellement avec les joysticks en vrai, genre que je fais TB. Oup. Vite. Voilà. Attention. C'est parti. Pitié. Je vole, Peter, je vole. Oh, comment tu vas? Lava, lava. Ça va ou quoi, frère?
Oh, il a craqué son dos. C'était son dos. Ça va très très bien, merci. Oh, la romance. Le bisou. C'est beau, t'as tout gâché, j'avoue, putain. Oh, mais ça va qu'on punk. Ah, il est trop trop bien ce jeu. Putain, frère, je voulais arrêter, vous allez me faire continuer. Oh merde. Bon, c'est le dernier. C'est trop beau pour moi. Ah, mes yeux, je pleure. J'arrive au moment où il y avait la romance. Oh. Après la romance, la naissance. Oh, vieux monsieur, t'as vu un petit bébé? Après la romance, la naissance. Après la naissance, la soulance. Attention, je sens le choc. Le choc visuel, attention! Il arrive! Je le savais! Le fruit. C'est le fruit! C'est le fruit! Tu peux altérer le temps en fait sur le jeu Occupank. Tu peux soit l'avancer, soit le reculer. Pour l'ajuster à comme bon te semble en fait. C'est la caractéristique du jeu en fait. Et mourir comme un vieux con. Solitaire, livré à lui-même. Après la romance, les problèmes. Ah, ça c'est ton problème. Hein. Joystick gauche et droite, en fait, si je fais arrière, tu vois, je reviens. J'avance le temps, je le recule. Ouais, c'est stylé, ouais. Franchement, c'est stylé. Puis c'est tellement beau, gros. Je pensais au début que ça allait me saouler, tu vois. Et là, plus on avance, plus les décors sont magnifiques. Des musiques, quoi. Et ouais, du coup, en fait, le perso qu'on incarne est mort. Et on incarne, je pense, qu'on est en train de retracer toute sa vie, en fait, avant qu'il monte directement aux cieux, ou tu vois. Le parcours d'un homme, en fait. De sa naissance à sa mort. Je pense que là, on arrive à l'âge où il commence à être un petit peu vieux, avoir une femme et tout. Je pense qu'après, ce qui va suivre, ça risque de pas trop trop être rigolo. Hein. Merci beaucoup, Dr. Love. Très vite, tu me manques déjà. C'est ce qu'elles te disent, les filles. À de suite, Dr. Love. Dr. Love, j'ai un problème. Bisous, mon frérot, prends soin de toi. Espèce de coquin. Tu me manques, Dr. Love.
Oh putain. Je tiens à dire que vous l'avez perdu, faites-le arrêter de suite la team, c'est un conseil. Ça fait des années que je suis perdu mon frère. C'est ça qui est bon frère. Prends soin de toi. Ces couleurs chatoyantes. Putain, c'est tellement beau. Rien que tu vois, je te dis, le dégradé de couleurs comme ça là. Où tu vas, Bobidon? Mais what the fuck? J'ai glissé, chef! On va assister à la naissance, les gars. Vous avez tous au moins 18 ans. Après, ça va devenir sale, là. Quel homme. Quel homme j'ai été. En train de faire le bon choix. Pense pas. Et what the fuck gros, c'est dégueulasse. Pourquoi? Tant que ça parle pas de paix de fouf. Allez, ça y est, on y revient, ce paix de fouf. Faut arrêter avec ça. Hein. Faut arrêter, madame. Hein. Tellement beau. Qu'est-ce que j'aime le violon, les gars. Partie de mes instruments préférés, honnêtement. Ça retranscrit tellement, tellement d'émotions, le violon. Ça couplé à un bon piano, maman. Non.
Putain, il s'accrochait sur la plateforme, c'était trop bizarre. Le piano couplé au violon comme ça, le piano de base c'est magnifique frère, genre ça peut tellement, tellement, tu peux tellement genre faire de trucs avec tous les instruments en vrai. Tous les instruments, alors une importance et une sonorité bien particulière et tout, tu vois. Mais je sais pas, moi le violon et le piano ça m'a toujours... C'est pas frérot. Trop beau. Et d'ailleurs quand je couplais les deux hein, lors de musique ou quoi, c'était toujours impressionnant. Le son que ça pouvait faire sortir, quoi. La musique, c'est tellement incroyable. Dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas de musique. Je comprends pas ces gens. C'est pas genre... en mode, ils sont nazes ou quoi. Hein. Mais ça dégage tellement d'émotions, la musique. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui s'en privent. Je parle pas que du hip-hop ou quoi que ce soit, attention, hein, qu'on s'entende bien. Je parle de la musique en général. Il y a des musiques classiques qui sont incroyables, il y a des musiques de jazz qui sont incroyables, des musiques dans tous les domaines qui sont incroyables. T'y intéresser les pépites. Savoir tendre l'oreille. Juste, imagine-toi genre 2 minutes en jouant à ce jeu sans la musique. Sans musique en fait. Tu vas voir que les saveurs ne sont pas du tout les mêmes. Pareil pour les films. Oh, il y a les voices qui arrivent. Bon là les gars, ça va être orgasme auditif, attention. C'était sûr. Mais pourquoi il a sauté en avant? J'ai pas voulu sauter en avant, papy. Mais où il va? Saute sur toi-même, voilà, voilà. Oui, bien sûr, je suis pas très très fan de cette demoiselle. Par contre, elle a travaillé sur un jeu qui s'appelle Rhyme. Et c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. C'est tellement beau, putain. Je suis pas très fan du personnage, en fait. Elle est très forte. Mais je suis pas fan du personnage qu'elle incarne dans ses vidéos et tout. La meuf au violon. Mais elle est très forte. Elle est très forte, elle a beaucoup de talent, cette fille. Et dans le jeu Rhyme, honnêtement, en gros, elle m'a scotché. C'est tellement beau ce qu'elle fait au violon. Mais après voilà, le personnage en lui-même, la gadget qui danse, qui fait du violon et tout, elle est très forte. Waouh.
C'est ça que ça veut dire ou... Chaud là les gars. En tant que papa, je vais pas vous mentir, ça me fait beaucoup de mal là. Et en tant qu'être humain, c'est chaud. Ça ne mérite ça les gars. On est passé des moments tellement beaux, tellement pleins d'espoir, tellement de couleurs, à un moment tellement triste, tellement terne, avec un homme qui a juste envie de traverser cet événement en gros. Ouais, tout un monde s'est écroulé quoi. Ah ouais. M'étonne. Genre leur amour s'est éteint en fait. À cause de cet événement. C'est pas anodin hein mais... J'ai bien compris qu'il fallait que je fasse venir les flammes petit à petit. J'ai peur de me faire attraper par les... Alors que j'avance comme ça, je pense. Putain. C'est pas. J'aime bien faire des ascenseurs émotionnels dans les jeux, tu sais. C'est chaud là. Leur espoir, tout ce qu'ils pensaient avoir, etc. Genre partir en fumée. Ok, je comprends mieux en fait le, la façon dont est tournée la chose.
tu vois, l'anéantissement un peu de... Starpen poétique, hein, Starpen bro. Oh, je suis fou, quoi. Il va falloir vraiment que je fasse ça. Putain, j'ai avancé le temps. Pas assez peut-être. C'est quoi en fait tous ces hommes en... Ma partie sombre en fait peut-être. Ah ouais? Vas-y papy, tu m'habitues à mieux là. Mais t'es sérieux? Ouais, je pense que c'est mon côté obscur ou... ouais, tu sais... Genre, ça fait deux fois que je tombe trop, là. Ok, ok, ok. On y va mollo mollo alors, hein. Oui, qui cherche quoi en fait? La rédemption. La paix antérieure. Comment ils peuvent appeler ça? Arrête, tu m'en boucanes, papy, là, arrête, arrête. Ouais, d'accord, c'est par là qu'il faut passer. Je suis tombé genre 5 cm plus loin, quoi. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Juste faire passer les flammes, revenir. Le problème c'est que j'ai l'impression que c'est trop court là. Bon, ça a été pensé pour, hein. C'est pas possible que ça soit trop court, mais... Ok. Là on peut remonter là? Impossible. Ah oui, d'accord, ok. Je croyais qu'elle allait mourir, hein.
En vrai, c'est ce que c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un mec, il avait juste envie de faire pipi, lui, il s'est endormi, tu vois. Tout ce drama pour ça, pour un pipi, quoi. Il est con. Ça a déclenché le feu. Oh putain. Ce qui est perturbant, c'est que des fois, pour faire avancer le temps, il faut faire joystick à droite. Et des fois, c'est joystick à gauche. Donc du coup, des fois, tu avances, tu recules, tu sais plus. J'ai l'impression que leur amour il commence à... Ça peut tuer des couples, hein, vous savez ça? Je le souhaite à personne. Allez, papy. Oh, ça va ou quoi? Parce qu'ils ont pas lâché, gros. Il y a des couples qui sont plus durs que plus forts que d'autres. Tant mieux, franchement, c'est bien pour eux, quoi. La rediff sur YouTube ou Sam, t'inquiète pas frérot. En vrai je me dis qu'on est presque près du sommet. Je sais pas il y a encore combien de monde à parcourir. On peut se garder la suite pour samedi. Hein. On va faire ça je pensais. Hein. Parce qu'en vrai j'ai pas vu l'heure moi aussi. Demain je dois me lever assez tôt. J'ai tellement envie de voir la suite. On va mettre ça en découverte et on mettra la suite. On mettra la suite. Samedi. Parce qu'en vrai de vrai. Je sais pas, il y a combien de monde encore là. Tant il y en a 1, 2, tant il y en a encore 5, 6. Parce que genre, c'est pas si près que ça en fait. Hein. C'est très stylé en tout cas. Pour rejouer les maps et tout. Non mais tranquille, on peut le garder pour samedi. Vraiment. De toute façon ça sauvegarde, tout est sauvegardé et tout.
Non, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. C'est un truc de fou en tout cas. C'est un truc de fou. Musique de fou, ambiance de fou. Petite histoire vraiment sympa. Encore une fois, l'équipe 1, c'est un jeu qui va coûter 20 balles, 20, 30 balles maximum, mais même 30 euros, je pense que c'est très très cher. Genre, tu en as pour 5 heures, c'est un peu comme les Abzu, les Gris, les Rhymes, ce genre de jeu. Assez poétique, fait toujours par des Espagnols, soit dit en passant. C'était vraiment très 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 beau. Je pense que je vais vous laisser sur ce son.